Hey, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir 10 boosters Destinée Immortelle. Alors je vous avoue qu'à la base j'avais pas du tout prévu de les acheter, d'ailleurs je sors la vidéo bien après que l'extension soit sortie, que tous les autres youtubeurs aient sorti leur vidéo. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à l'intérieur, il y a juste la fusion à 40 ou 50 balles parce que c'est ultra rentable, et il y a surtout la fusion Predaplante qui est beaucoup trop forte. Je les ai pris uniquement parce que je suis passé à Cultura et que c'était 3 achetés, 1 offert, je suis faible, j'ai craqué. C'est comme ça. Avant de commencer la vidéo, petit rappel, je vous fais gagner un booster par semaine. Et justement, cette semaine, c'est un booster dueliste légendaire. Grand merci à mon partenaire, Le Coin des Barons, qui me permet de vous organiser tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. On ouvre des boosters, on essaie de choper un max de rareté. Et on voit si on est rentable ou pas. Sachant que j'ai payé le lot 17 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Premier petit booster. Est-ce qu'on a de la chance? C'est la question. J'ai jamais de chance sur les ouvertures habituellement. Alors, poupée truquée. Et c'est une première rare. Ok, ça marche. C'est vrai que j'ai ouvert beaucoup de boosters, enfin beaucoup, entre guillemets, hein. J'ai ouvert pas mal de boosters récemment, du Dupo, j'avais ouvert du Sast, si je me trompe pas, et j'avais rien drop, mais rien. Poupée truquée, malveillant, ça c'est toujours cool. Lame malveillante. Oh! Ok, j'ai cru que c'était là. J'ai cru que c'est ce que je cherchais. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, la fusion Predaplante, c'est une fusion. Hein, c'est un ton déjà, elle doit avoir genre 3000. Et surtout, elle utilise 3 monstres ténèbres. Donc tu fais super poli, tu niques 3 monstres ténèbres du bord de l'adversaire et tu sors ton monstre sur ton terrain. C'est beaucoup trop fort. Numéro 40, poupée truquée Détroy. Détroy ou Détroy? Dites-moi comment vous l'appelez-vous dans les commentaires. Et Sanctuaire des Ténèbres. Oh, je voulais défoncer le booster. Merde. Alors, prodige infernal. Fourmi de feu. Poupée truquée. Et fusion prédaplante. Bon, ben pour le moment, on n'est pas parti sur une grosse, grosse ouverture. En même temps, je n'ai pas payé le booster très cher. Donc, même si je suis pas rentable, c'est pas très grave. Invitation d'esprit de la terre. De la fusion prédaplante. Esprit, ça c'est cool parce que je crois qu'elle est sortie qu'en secret avant. Je l'ai en secret en tout cas dans mes classeurs. Oh, ça veut dire qu'on a une autre rareté derrière. Et c'est un monstre. Poupée truquée bisque. Et eh ben c'est plutôt cool. Du coup, c'est la première grosse rareté. Je crois que j'ai mélangé les. Voilà. On va mettre les rares d'un côté quand même. Ok. Et les communes de l'autre. Bon. On a ouvert 5 boosters. On a une super rare. Bon. Est-ce qu'on peut espérer un peu plus? Oui. Est-ce qu'on aura un peu plus? C'est pas sûr. Fusion des ténèbres. Beaucoup trop cool. Champion de l'enfer. Ça me rappelle grave. Oh. C'est-à-dire qu'on a encore une rareté. Qu'est-ce que c'est? C'est un monstre à nouveau. Ça peut être le gros monstre, le gros ton, et c'est pas lui. C'est une super rare par contre, et ça fait quand même grave plaisir de la faire tomber. C'est une magicienne. Bon, on aura eu deux, une ultra, c'est une ultra, pardon, c'est pas une super, je dis de la merde. Une super, une ultra, pour l'instant, c'est pas trop mal. Parade des poupées. Oh, on n'avait pas encore eu de synchro. Poupée robot, champion de l'enfer et esprit maléfique. En vrai, ça va être une vidéo grave rapide, mais du coup, c'est quand même cool de partager ça avec vous, de faire une petite ouverture de booster, tranquillement. Parade de poupée. Oh, ça, on dirait presque le même booster, quoi. Et Château Suprême. Putain, mais c'était vraiment pratiquement le même booster. Je crois que ma chance, c'est vraiment pas ça sur l'ouverture. En vrai, je vais continuer d'acheter à l'unité, parce que c'est plus rentable pour moi. Hein. Mais bon, c'est quand même très très cool. Nécrophyre, ça fait plaisir de vous revoir Nécrophyre en même temps, c'est pas quoi. Soupaille, parade de poupée. Ah, un Venom, et derrière... Ok, Venom c'est toujours cool, bah, pareil pour Super Poly. Dernier booster, et du coup on aurait eu deux fois cette carte là, en super rare. Bon, est-ce qu'on aurait aimé mieux? Oui. On va voir ce que ça donne. Ok. Résurrection Esprit, invitation. Ok, donc derrière on a juste une rare et c'est Château Roi Suprême. Bon, et bah écoutez, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours cool. Moi j'ai apprécié faire cette petite vidéo. Château Roi Suprême, un Venom, toujours très très cool. Pas mal de rares, mine de rien. De cartes, ça c'est cool aussi, c'est sympa, et on aura eu hop une ultra et deux super. Et bien voilà, je vous rappelle qu'un booster de l'extension est à gagner. Je vous en fais gagner un par semaine. Cette semaine, c'est celui-là à l'occasion de cette vidéo-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air et vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est plus de 3000 et ça augmente de jour en jour. Ça fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. Prenez soin de vous, faites un nouveau duel et collection de cartes, et surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao!